Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, pour décarboner l'économie, faut-il taxer ou subventionner? On pourrait attendre la tombée de la nuit, c'est vaste sujet. On pourrait imaginer qu'ici, c'est le camp de ceux qui veulent taxer. Et ici, le camp de... Ça fait très Parlement britannique. Hein. Voilà, alors je ne sais pas dans quel sens. Voilà. Et si je fais cette boutade, c'est parce que justement, il ne faudrait pas qu'il y ait, que ce soit une discussion, un échange binaire, une logique binaire. Ceux qui veulent taxer, ceux qui veulent subventionner. On va essayer de dépasser, c'est ce qu'on fait depuis ce matin, grâce à ces rencontres, de dépasser les contradictions. Voilà, pas un camp contre un autre. Alors, comme je sais que le temps imparti est assez court, on a pris un peu de retard. Par galanterie, je vais commencer par vous, madame. Isabelle Patrier, donc, est présente, est arrivée il y a un quart d'heure déjà, et vous devez partir à 25, si je suis bien informé. Donc, Isabelle Patrier, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, donc, elle est la directrice France de Total Energy. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Et face à elle, mais avec elle, hein, ce n'est pas face-face, il y a donc deux représentants de think tank. Donc un monsieur que je connais depuis longtemps, que je suis. Hein, vous avez eu des activités ministérielles. Vous avez été aussi à ENDIS, au membre du directoire, je me souviens. Donc Michel de Verdeuil et François-Xavier Olivaux, donc, est le directeur associé. Et vous avez beaucoup de titres, hein. Je ne peux pas dire tous les titres, on va faire vite. Votre think tank, c'est donc Génération Libre. Pourquoi libre? Parce qu'on est des amoureux de la liberté et comme disait Flaubert, des libéraux enragés. Voilà, on aime beaucoup la liberté et toutes les libertés. Donc, vous êtes enragé alors? Oui, plutôt libéral qu'enragé, mais quand même enragé un peu. Bon. Ouais. Le ton est donné alors, le ton est donné. Donc, en guise d'introduction, je vais vous laisser vous présenter. Donc, vous êtes Édouard Civelle. Et ce serait peut-être mieux debout comme moi, hein, que je ne sois pas le seul debout. Et je vous demande juste de... Je suis le maître des horloges, désolé. Je vais être un petit peu père fouettard, mais on a moins de temps que pour l'autre. Et comme ce serait formidable qu'il y ait des échanges avec la salle, quelques-uns, donc on va essayer de gagner dans la première partie. Édouard Civelle, pourquoi ces termes du débat? Faut-il taxer, subventionner? Alors, on est rattrapé par l'actualité quand même là. Oui, on est rattrapé. Alors, on est même en phase parfaite avec l'actualité, j'ai envie de dire brûlante, puisque notamment la crise qu'on a vu voir sociale avec les agriculteurs ces derniers jours, ça se cristallise notamment autour de cette évolution qu'a voulu le gouvernement d'une fiscalité brune vers une fiscalité verte. En tout cas, c'était les mots de Bruno Le Maire il y a encore 2 mois pour qualifier cette augmentation progressive de la tarification du GNL. Alors, taxer ou subventionner, alors c'est un vieux débat. Bon, on a vu dans le panel précédent qu'il fallait décarboner l'économie, que même si, alors, croissance ou pas décroissance, il faudra réduire finalement l'empreinte carbone que l'on a et donc réduire l'intensité carbone de nos économies. Mais finalement, la taxation, c'est l'idée qu'on va essayer de rajouter un coût supplémentaire aux solutions qui sont aujourd'hui émettrices de CO2. C'était la fameuse taxe carbone, c'était la fiscalité sur le GNL. Et d'un autre côté, il y a des solutions où on a recours à plutôt des subventions pour essayer de rendre moins cher des solutions qui sont peu carbonées. Alors, il y a finalement un peu 4 nœuds à ce débat-là. Le premier, c'est celui sur le pouvoir d'achat, notamment des ménages, avec une fiscalité carbone qui vient en général gréver finalement le pouvoir d'achat des ménages, alors qu'on peut s'imaginer que les subventions vont les aider à passer le cap. On a un autre nœud de débat qui est celui de la désindustrialisation. Si on met une taxe carbone, est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir des productions qui viennent de havres de pollution ailleurs dans le monde où les normes environnementales ne sont pas les mêmes, où les coûts environnementaux ne sont pas les mêmes et qui seraient ensuite revendus et qui entraîneraient donc une désindustrialisation des zones où on a imposé ces prix? Et d'un autre côté, on a aussi des problèmes sur des questions d'efficacité et de sobriété. Parce qu'en fait, si on met une taxe carbone, ça permet aussi d'envoyer les incitations aux individus à faire de l'efficacité énergétique, à avoir un usage plus raisonné de l'énergie.
Et le dernier débat, c'est quand même, et pas des moindres, c'est le débat des finances publiques. Parce qu'on peut vouloir subventionner tous les usages de l'énergie et les nouvelles technologies, mais il y a un moment où on a parlé ce matin du modèle social français que l'on veut préserver et qui est coûteux. Et donc, il faut savoir comment on arrive à financer d'un autre côté toutes ces subventions. Donc, c'est un peu les quatre nœuds de ce débat-là. Merci, Edouard. Sur le comment, ce sera vers la fin. Michel Derdevet, je vous vois avec des notes, beaucoup de notes. Donc, ça démarre bien. Succinctement, si on peut, sur ce sujet, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Est-ce que, d'ailleurs, c'est bien posé, subventionné, taxé ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces termes d'abord, du débat. Gilles, d'abord, si vous me le permettez, je voudrais saluer le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, qui a eu l'idée d'associer les think tanks à la réflexion sur les sujets du jour. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, je ne sais pas si ça a été dit ce matin, les think tanks sont un peu les parents pauvres de la République. Exactement. C'est-à-dire qu'on les oublie, et par rapport à d'autres démocraties européennes, vous regardez l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, où la culture des laboratoires d'idées fait partie du modèle national, on a tout un chemin à faire devant nous. Et nous avons signé avec Dominique Calmels une tribune dans Le Monde avec 30 autres personnalités au mois de novembre. Je vous y renvoie pour plus de développement. Mais qu'une ville comme Neuilly ait pensé structurellement à construire cet échange avec les think tanks, c'est un signal positif que je ne pouvais pas ne pas souligner. C'est la raison de notre présence et c'est la raison pour laquelle il y a autant de monde qui sont inscrits. Subventionner ou taxer, ça dépend comment. Taxer, il aurait fallu, ça a été abordé tout à l'heure, il faudrait avoir en même temps qu'on a des COP, qu'on a un dialogue international sur la réduction des émissions de CO2, une règle commune autour du CO2, un prix du CO2, une taxe mondiale, une approche commune. On n'en est pas là. Donc ça veut dire que tout ce qui peut être fait, y compris moi qui suis un Européen convaincu de toujours à l'échelle européenne, se heurte au fait qu'on aura d'autres continents qui n'auront pas les mêmes outils. Paradoxe, l'Europe en 2003 crée le premier marché européen du carbone, les Chinois l'adoptent quelques années plus tard, au niveau d'une province, les États-Unis l'adoptent aussi, mais ce chantier-là d'un grand aggiornamento en termes fiscaux autour du carbone n'a pas été mené. Ça renvoie à autre chose qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais j'ai écouté attentivement la première table ronde, c'est le décalage grandissant entre le discours, les promesses, les engagements, le blabla, comme dirait l'autre, et la réalité des décisions. Et là, deuxième point du raisonnement, on a un problème de savoir à quelle maille on travaille. Subventionner, mais qui subventionne ? L'Europe, la France ? Et si on est en France, comment peut-on subventionner avec un déficit de nos finances publiques tel qu'il est ? Comment on peut avoir un pays endetté à 110% de son PIB et parler de subvention ? Donc on voit bien que pour des raisons stratégiques et en même temps d'efficacité vis-à-vis des Chinois et des États-Unis, s'il y a des subventions envisagées, c'est au niveau européen qu'on peut le faire, à travers un effort commun et des priorités communes. De ce côté-là, nous avons en Europe avancé avec un pacte vert depuis 2020, mais il n'y a pas encore de mécanisme permettant d'aller massivement, de la même manière que les Américains ont mis en place l'IRA, c'est-à-dire un encouragement aux industries décarbonées. Nous sommes très pauvres, mais pourquoi ? L'Europe, c'est nous. Vous savez, Jacques Delors avait l'habitude de dire « ne renvoyez pas sur Bruxelles les technocrates et tout ». L'Europe, c'est ce que nous voulons qu'elle soit. Et nous sommes dans une contradiction entre des mots. On parle d'union de l'énergie, on parle d'union des marchés de capitaux. Et derrière, une réalité qui fait que chaque État souverain ne pense pas des solutions communes ou pense peu de solutions communes et donc se retrouve en situation de pouvoir critiquer l'Europe quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout en étant lui-même autour de la table du Conseil quand les décisions sont prises. C'est une ambiguïté, c'est une schizophrénie. Dernier point, dernier élément du raisonnement, c'est quid de notre État ? Notre État dont je disais qu'il était aujourd'hui dans un État compliqué quant aux finances publiques, il y a aussi des contradictions. Au moment où la loi sur l'accélération des énergies renouvelables est votée, des mécanismes fiscaux sont mis en place à Bercy, permettant de récupérer une partie de la rente, entre guillemets, pour alimenter le bouclier énergétique. Mais ça se fait au détriment des producteurs de renouvelables, qui, à un moment donné, ou quand ils étaient d'une nationalité, ont déserté la France, ou se sont retrouvés dans des difficultés structurelles. Donc, ça, c'est un point important. L'État, c'est quoi ? C'est un visionnaire à moyen long terme de politique énergétique qui va essayer de fixer le cap. Je crois que tout à l'heure, Mme Garcia Poveda soulignait l'intérêt de garder le cap. Est-ce que l'État est dans cette fonction ou est-ce que l'État va être à travers l'énergie sur des solutions de court terme ? On l'évoquait en préparant cette table ronde, l'État perçoit tous les ans 40 milliards d'euros au titre de la taxe sur la pompe.
Et en même temps, l'État encourage le basculement au véhicule électrique. Merci pour la transition. Que va devenir cette recette de poche, si vous me permettez. Voilà. Isabelle Patrier, alors là, forcément, je me tourne vers vous. Les taxes. Je crois que récemment, vous disiez, taxes, subventions, ce qui compte, c'est qu'on y voit clair. C'est le plus important. Oui, moi je parle en tant que multi-énergéticien, puisque Total Energy est aujourd'hui dans toutes les énergies, en dehors du nucléaire. Et effectivement, Total Energy, son rôle, c'est d'apporter l'énergie d'aujourd'hui et préparer les infrastructures du monde de demain. Total Energy aura 100 ans en 2024. Elle est arrivée en 100 ans à avoir les positions qu'elle a aujourd'hui. Elle est dans le top 5 des majors pétrogazières. Elle a deuxième ambition qui est très forte, c'est de préparer le monde de demain et d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable, ce qui est quand même un nouveau métier dans notre compagnie depuis 5 ans. Et d'être dans le top 5, ça veut dire gérer à la fois une demande mondiale et répondre à cette demande mondiale, à la fois décarboner, pour pouvoir préparer ce monde avec un impact le plus bas possible de CO2 et de méthane, parce qu'en fait, il n'y a pas que le CO2, de demain. Donc, décarboner, taxer ou subventionner, j'ai envie de vous dire, il va falloir nous donner une vision. C'est un peu ce qu'on se dit, avoir une continuité. Quand on est un industriel, on ne fait pas un investissement pour 2 ans. On fait un investissement pour 15, 20, 25 ans. On a des raffineries qui ont été inaugurées dans les années 60, qu'on est en train de reconvertir. On a fermé la moitié de nos raffineries en France pour les reconvertir dans des bioraffineries ou d'autres investissements. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de nous donner une visibilité. Et je ne dirais pas taxer. Je pense qu'il y a plusieurs points. Donner une visibilité, ça veut dire quoi? Quand on a une TIR-RT, qui est une taxe qui force à avoir des taux d'incorporation de biocarburants dans les carburants, c'est bien d'avoir cette TIR-RT qui nous pousse à investir pour faire des biocarburants, pour faire des usines de biocarburants et d'investir régulièrement. Par contre, ce qui ne va pas dans le système français, c'est que tous les ans, on se repose la question du taux d'incorporation. Et on se repose la question de la taxe. Je peux vous le dire en 2022, je vais vous le dire là aujourd'hui, en 2022, comme la taxe n'a pas été réévaluée, l'amende, en fait, si vous n'incorporez pas, alors vous payez une amende. Mais comme l'amende n'a pas été augmentée, mais en fait, vous n'êtes pas incité à incorporer. Sauf que l'investissement, vous ne le faites pas pour 24 mois. Vous le faites pour une durée très, très longue. Deuxièmement, le biojet, quand vous avez l'Union européenne qui vous dit qu'il faut avoir une progressivité dans l'incorporation de biocarburants aériens dans le jet, hein, qui est le kérosène, en fait, hein, pour l'aviation, commercial, eh bien, si vous avez une vraie vision, bah, vous investissez. Ce qu'on a fait, par exemple, la raffinerie qui a été inaugurée en 1967 en Seine-et-Marne, on l'a arrêtée. Ça sera une unité de biocarburant aérien. Elle se trouve bien située entre Orly et Roissy. Ça va nous permettre ça. Mais il faut aussi inciter. C'est-à-dire que inciter, ça veut dire... on parlait de subventions tout à l'heure. Quand on a des subventions, c'est bien que l'Europe, que le Green Deal, que la France mettent des fonds publics, parce qu'il s'agit de fonds publics, pour inciter des filières. Mais après l'incitation, il y a la protection. On est dans un monde global, on se l'est dit. Donc aujourd'hui, l'énergie, elle peut venir de n'importe où. Je vais prendre notre exemple. Il y a 3 ans, on a fermé nos 2 usines de fabrication de panneaux photovoltaïques en France. Pourquoi on les a fermées ? Aucune protection pour importer des panneaux solaires chinois, parce qu'au fond, y compris la commande publique, va chercher le prix, va pas chercher le fait que ce soit fabriqué en France ou que ce soit performant, parce que basé sur une recherche française qui aura permis un meilleur rendement, etc. Deuxième sujet, vous avez aujourd'hui, et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, on a inauguré, nous, avec Stellantis et Mercedes, en mai, la première gigafactory de France pour faire des batteries pour les véhicules électriques. Parce que la mobilité demain, elle sera électrique, parce que pour abattre le CO2 des carburants, il faut absolument se décarboner, passer à cette électricité, à cet électron. C'est une réalité. On a fait cette première unité. Le premier véhicule, c'est un 3008 qui va sortir des chaînes de Stellantis dans le nord de la France avec ses premières batteries françaises.
jamais vues. Hein, c'est les premières batteries françaises produites sur notre territoire. En même temps, je peux vous le dire, on en parlait avec Thierry Breton l'autre jour, il y a 60 porte-containers pour des véhicules électriques qui sont en train d'être construits en Chine pour des importations de véhicules électriques en Europe, y compris en France. Voilà. Et donc inciter, c'est aussi se protéger, et le CBM, hein, ce système de protection du CO2 aux frontières de l'Europe, en tout cas de l'Union européenne, est un système qu'il faut absolument mettre en place et absolument solidifier. Parce que sinon, nous, à un moment donné, on est globaux, et on est dans 130 pays, et donc on voit ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec l'IRA. Vous avez un Inflation Reduction Act qui vous permet, quand vous achetez un véhicule électrique en leasing aux États-Unis, d'avoir une déduction de 7 500 $ sur votre véhicule, à condition que ce véhicule soit assemblé sur le territoire avec des batteries construites sur le territoire. Voilà. Et en fait, c'est la comparaison. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas sur une île. On se compare tous, nous-mêmes industriels, on regarde ce qui se passe ailleurs. Si demain, il fallait qu'on fasse... On parle beaucoup de fuel synthétique, hein, après les biocarburants. C'est une technologie qui mélange le CO2 et l'hydrogène et qui fait de l'énergie. C'est très énergivore. C'est des milliards, hein, une unité de vie méthanol, c'est 7 milliards à peu près. Aux États-Unis... tout le monde vous le dit, hein, ce pays-là vous incite à investir chez eux. Ils vous disent à tel endroit vous aurez les compétences, mettons Philadelphie, vous allez mettre votre unité à Philadelphie, elle va vous coûter 7 milliards, eh bien l'IRA américain va vous permettre d'avoir une déduction entre 800 et 1 milliard. Ça vous incite, voyez. Et donc, c'est pas forcément taxé, c'est pas forcément subventionné, c'est un mix de tout un tas d'appareils qui vous permettent, quand vous êtes un industriel, quand vous êtes une entreprise, d'avoir cette capacité de décider à investir, à se transformer et à se décarboner, et c'est ce que nous faisons. Mais attention, nous sommes dans un monde global, donc nous le faisons. Total Energy investit désormais 5 milliards par an, hein, dans sa décarbonation pour produire de l'électricité renouvelable, être dans le top 5 en 2030, mais aussi des biocarburants et des biomolécules et du biogaz et de l'hydrogène vert. Mais on le fera là où il y a une rentabilité et une vision et une visibilité industrielle. Une visibilité. Monsieur Olivaux, de Génération Libre, vous qui êtes un enragé de la liberté, comme vous avez dit, taxé, subventionné, c'est des mots qui vous font mal à la tête ou... Vous auriez un autre verbe pour proposer ? Ce qui est assez amusant, c'est que le débat est étonnamment posé, puisque finalement, si vous donnez aux gens le choix entre taxer et subventionner, autrement dit, est-ce que vous préférez plutôt recevoir de l'argent ou plutôt payer des impôts ? A priori, vous aurez un consensus assez fort sur le fait que recevoir de l'argent, c'est quand même mieux. Je voudrais simplement rappeler que ce sont les deux faces d'une même pièce, si j'ose dire. Que derrière toute subvention, il y a une taxe. On a, dans ce grand monument du génie français qui est le bonus réparation récemment mis en place, qui vous permet de réparer vos fermetures éclair pour 8 euros ou 15 euros en fonction de la taille de la fermeture éclair, vous avez derrière une taxe qui est sur les vêtements neufs. Donc, et à chaque fois que vous avez une subvention, derrière, il ne faut pas oublier que quelque part, l'argent ne vient pas de nulle part. Et inversement, quand vous avez une taxe, vous avez des recettes que vous pouvez utiliser pour faire d'autres choses. Donc ce sont les deux faces d'une même pièce. Et donc la question qu'on a envie de poser, c'est deux choses. D'abord, un, est-ce que l'État doit intervenir ou pas dans la transition écologique? Ça, c'est quand même une question importante. En règle générale, chaque fois que l'État intervient dans quelque chose, il faudrait qu'il se pose la question, est-ce que c'est une bonne idée que j'intervienne? Assez souvent, c'est une mauvaise idée. Là, ce n'est pas forcément le cas. Puis la deuxième question, une fois qu'on aura, si on répond positivement à la première, c'est comment est-ce qu'il le fait le mieux? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il arrive à maximiser l'impact sur le carbone économisé pour le minimum de coûts? Et donc, il y a un impératif d'efficacité. Et donc, la question, c'est de savoir comment. Sur la première question, est-ce que l'État est légitime pour s'intégrer dans cette logique-là? Nous, on pense que oui. On pense que oui. On n'est pas forcément des fans de l'État, comme vous avez compris. On est plutôt pour que le marché, s'il peut faire mieux que l'État, puisse faire. Et ensuite, l'État vient en substitution. En l'occurrence, il y a une anomalie de marché. Le fait que si je prends ma voiture le matin pour aller à un endroit, eh ben, je vais émettre du CO2, je vais émettre des particules fines, je vais polluer, et cette pollution ne me coûte rien, ne m'est pas refacturée. Donc il n'y a aucune incitation de marché, aucun mécanisme qui m'empêche de polluer. Donc il y a ce qu'on appelle une anomalie de marché, et donc il y a une logique à ce qu'à un moment donné, la puissance publique, ça peut être l'État, ça peut être l'Europe, dise attention, on intervient pour corriger cette anomalie de marché. Donc la question, c'est comment intervenir?
qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus juste. Alors, qu'est-ce qui est le mieux à vos yeux, sans rentrer dans le détail? Alors, à mes yeux, il se trouve que ce n'est pas uniquement mes yeux. Il y a un truc qui fait consensus parmi les économistes. Et ça, je vais faire une pause pour vous, que vous vous rendiez compte ce que c'est qu'un consensus parmi les économistes. C'est une aurore boréale. C'est un truc que vous voyez une fois dans votre vie. Voilà. Il se trouve que ce truc-là qui fait consensus, c'est la taxe carbone redistribuée. C'est quelque chose qui a été formalisé par notamment un article du Wall Street Journal en janvier 2019, qui a été une pétition qui a été signée par 5000 économistes, dont 28 prix Nobel et 4 anciens dirigeants de la Federal Reserve. Donc, c'est vraiment un truc. Vous avez toujours des économistes qui ne sont pas exactement dans le consensus, mais là, vraiment, vraiment, c'est un avis général. Et le schéma, c'est quoi? C'est un prix unique du carbone. C'est-à-dire que chaque type de pollution, chaque tonne de carbone émise a un prix, et c'est le même prix quelle que soit la source de la tonne de carbone. Ça peut être du méthane, ça peut être de l'énergie carbonée, ça peut être une tranche de viande. Et donc l'idée, c'est de dire on met ce prix unique en fonction de ce qui pollue. La deuxième idée, c'est effectivement que si vous êtes dans une zone géographique donnée, vous devez faire un ajustement aux frontières pour éviter qu'il y ait une concurrence déloyale. Et le troisième point, et ça c'est un point très important, la taxe carbone, elle ne doit servir surtout pas, paradoxalement, à financer la transition. Ce n'est pas le boulot de la taxe carbone de financer la transition. Pour qu'une taxe carbone soit efficace, elle doit être intégralement redistribuée. C'est-à-dire que c'est juste un flux qui passe par l'État, c'est juste un signal prix. L'intérêt de la taxe carbone, c'est quoi? Ce n'est pas de financer la transition, c'est de dire la pollution va vous coûter plus cher. Et donc, ça veut dire que chaque acteur individuellement sur le terrain, chaque entreprise, chaque personne, en fonction de ses propres contraintes, de ses propres... Voilà, si j'ai une maison qui est classée G sur le plan énergétique, peut-être que c'est très embêtant parce que je l'habite 12 mois par an, peut-être que ça ne l'est pas parce que je l'habite que l'été. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de mettre des doubles vitrages. En tout cas, ce n'est pas forcément ça qui va avoir un impact positif sur mes émissions de carbone parce que finalement, je ne la chauffe pas tant que ça. Donc l'idée, c'est de dire que chaque personne individuellement, en fonction de ce surcoût qui est attribué au carbone, va faire ses propres décisions d'investissement et ça va être naturellement la décision la plus rationnelle. Donc c'est amener la responsabilité, non pas la culpabilité. Exactement. Ce n'est pas du tout un mécanisme de culpabilité, contrairement à ce qui est parfois dit. C'est vraiment un mécanisme de responsabilité. On pollue tous, il faut l'assumer. Et donc, on paye en fonction de la pollution. Si vous avez, par exemple, une taxe carbone à 100 euros la tonne, ça veut dire que si je suis dans la moyenne des Français qui mettent 9 euros la tonne, je vais payer probablement 900 euros en taxes, mais je vais aussi recevoir tous les ans un dividende carbone, appelons-le comme ça, qui est finalement le retour de cette taxe carbone et qui, comme je suis dans la moyenne, va être dans la moyenne aussi, donc 900 euros. Je vais recevoir 900 euros, je vais payer 900 euros, c'est neutre. Si je suis un gros pollueur, que je consomme 30 tonnes de carbone par an parce que voilà, je prends beaucoup l'avion, j'ai un yacht, etc., je vais payer 3000 euros, je vais recevoir 900 euros. Ça va me coûter de l'argent et donc je vais dédommager la collectivité pour la pollution que je fais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de voyager en avion, mais ça veut dire que je paierai plus cher. Inversement, si je suis vertueux et que j'ai une empreinte carbone de moine bouddhiste et que je ne consomme que 4 ou 5 tonnes par an, je vais toujours recevoir mes 900 euros, mais payer 400 ou 500 euros, et donc je vais gagner un peu d'argent. Et par ailleurs, si j'améliore encore mon empreinte, je vais continuer à gagner de l'argent. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une logique de redistribution où celui qui pollue paye pour celui qui ne pollue pas, de façon neutre pour l'État. Donc c'est pas, et c'était l'un des problèmes des bonnets rouges et des gilets jaunes, c'est que ça a été utilisé par Bercy pour refaire les fonds de tiroir. Donc l'idée, c'est au contraire, tout ce qui est taxé est redistribué, et je préfère donc, comme ce sont les deux faces d'une même pièce, parler de dividende carbone plutôt que de taxe carbone, c'est-à-dire d'insister sur le fait qu'on reçoit de l'argent qui est financé par une taxe sur la pollution. Voilà ce qu'on propose au niveau de Génération Isabelle, ce qui est en fait en ligne avec ce que le consensus des économistes, encore une fois, propose. Aurore boréale. Exactement. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est une bonne idée ou c'est un truc un peu... C'est possible en France? C'est complètement intégré à notre façon d'évaluer nos projets. Il n'y a pas un seul projet chez Total Energy qui n'est pas évalué avec une tonne de CO2 à 100 dollars. Voilà. Donc, ça rejoint exactement ça. C'est ce que disait Angeles tout à l'heure. Ce qui nous permet aussi de valider des projets qui n'auraient peut-être pas été validés par le passé, mais qui aujourd'hui nous permettent de faire un certain nombre d'investissements dans la transition énergétique, dans la décarbonation, pour se dire, à partir du moment où c'est 100 dollars, en fait, bien sûr que vous allez être hyper volontariste sur des projets comme ça. Et je retiens effectivement le principe de se dire, à un moment donné, il faut quand même être lucide, il va falloir quand même accompagner ceux qui ont besoin de l'être. Et donc... Le dividende CO2 qui est quand même lié à cette
cette redistribution, de toute façon, elle est nécessaire. On voit bien qu'aujourd'hui, en France, il y a une dizaine d'années, le parc de véhicules avait environ 8 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à 11 ou 12. C'est-à-dire que notre parc de véhicules, il vieillit parce qu'en fait, les gens n'ont plus les moyens d'acheter un véhicule aussi souvent que par le passé. Et puis, votre véhicule, il est vieux et puis votre véhicule, il pollue. Donc, à un moment donné, il faut arriver à résoudre ce problème-là de ceux qui doivent avoir accès, qui vont accompagner, qui sont les plus fragiles. Et puis, c'est un peu ce qu'on essaye de faire quand on accompagne un certain nombre de populations dans la redistribution. Du chèque énergie, d'un certain nombre de principes comme ça qui nous permettent aussi d'accompagner des populations fragiles dans leur transition énergétique, en tout cas d'inciter ceux qui ont les moyens à aller vers ces investissements personnels ou d'entreprise dans cette décarbonation. Michel de Hervedet, qu'est-ce que vous en pensez? Votre réaction, vous qui avez vraiment le... Vous êtes à 360 degrés sur l'Europe. Cette idée de dividende carbone, on ne taxe pas, on responsabilise. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'étranger, en Europe, dans d'autres pays, comment ça se passe? D'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'Europe donc, elle a été pionnière pour mettre en place un marché du carbone en 2003. Mais c'est un marché dont on voit que s'il veut fonctionner, il faudrait qu'il embrasse toute une série de domaines. Les transports, le logement... Et là, il y a des réticences. Pourquoi ? Des réticences parce qu'on voit bien que ça va, à un moment donné, fragiliser peut-être dans tel ou tel État membre, telle ou telle partie de la population. Et donc, il y aura un problème d'acceptation d'un nouveau mécanisme qui peut être méconnu dans sa profondeur, son efficacité. Donc, il y a une donnée éminemment politique. Quant à l'affectation du cross-border, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il avait été dit, quand il a été adopté sous présidence française de l'Union, qu'il irait vers des fonds en faveur de la transition juste. Et le problème, pourtant, c'est que nos amis allemands ont fait en sorte que ce mécanisme d'ajustement soit limité en termes de milliards récoltés. On va aboutir à 5 ou 6 milliards d'euros. Et donc, ce n'est pas avec ces sommes qu'on va accompagner les plus démunis, les plus précaires, qui, partout en Europe, se développent à vitesse grand V. Donc, comment on boucle tout ça? Et ça renvoie, si vous me permettez, à une ambiguïté aujourd'hui des traités européens, puisqu'on a un article 96 dans les traités qui nous dit, paragraphe 1, on travaille ensemble sur la sécurité d'approvisionnement, les interconnexions. Donc là, pour les Européens de la salle, on se dit, chapeau, c'est chouette, l'Europe, elle va faire de grandes avancées. Mais le paragraphe 2 nous dit, l'article 96, nonobstant, les États membres gardent la possibilité de définir leur mix énergétique. Et donc ça veut dire que les politiques énergétiques aujourd'hui, elles restent encore des politiques nationales. Et si on regarde la fiscalité sur l'énergie, elle reste alors là encore plus nationale que les politiques énergétiques. Donc comment on peut mettre en place un marché européen, vaste rêve des années 92, 93, 94, où on a pensé les premières directives électricité et gaz, et dans le même temps ne pas avoir harmonisé les règles du jeu. Et j'aurais envie de dire, même moi qui étais dans une grande entreprise industrielle de l'énergie, on n'a pas réussi à créer des champions européens. Là où c'était peut-être possible, il y a 20 ans, 25 ans, vu la complémentarité. Donc on a une grande différence entre le discours, l'approche et l'exigence qui serait harmonisation et approche coordonnée entre les différents États membres sur les chantiers prioritaires. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre optimiste? L'échange de cet après-midi, à l'évidence. La richesse des propos ici à Neuilly. On va passer un coup de fil. Voilà. Non, ce qui pourrait me rendre optimiste, c'est qu'on fasse... je pense que c'est évoqué par d'autres souvent, coïncider les projections, les mots, le verbe et la réalité. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, pour qu'un message politique soit perçu, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas trop de distorsion entre l'un et l'autre, parce que sinon le citoyen, il s'en rend compte et il n'est plus... Sinon c'est parole. Oui, ou blabla, comme dirait Greta Thunberg. Voilà. Dans la chanson. Isabelle, Patrick. Moi, j'ai peut-être une idée quand même. Dans des entreprises, pour être optimiste, dans des entreprises, on évalue à l'aune d'indicateurs très réguliers la réalité de ce que nous faisons. Donc, on se fixe des objectifs, on a des projets, et puis tous les mois, on regarde ce qu'on a réussi, ce qu'on a produit, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Je pense que nos États gagneraient
à suivre par des indicateurs la réalité de ce qu'elles, de ce qu'ils mettent dans les lois, les réglementations, leurs ambitions et leurs stratégies. Quand vous vous dites, en 2015, accord de Paris, je vais réduire le CO2 de tant, je vais produire tant d'électricité renouvelable avec des renouvelables éoliens, solaires, hydro, je vais multiplier par X l'efficacité énergétique. En fait, vous ne le faites pas et vous vous retrouvez en 2024 à refaire la même courbe de trajectoire en vous disant, bah, je l'ai raté l'atterrissage, donc je le réévalue à un autre niveau. Bah, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas suivi vos indicateurs. Donc, suivons de façon plus forte nos indicateurs. Puis, je pense qu'il y a quand même quelque chose. On a vu la COP 28, on parle de décarboner, taxer ou subventionner. Bah, la décarbonation de cette COP 28, je pense qu'il y a eu trois choses qui étaient quand même très importantes. La première, c'est de faire x3 sur la production des renouvelables d'ici 2030. La France ne fait pas. Donc, peut-être que si elle suivait au moins tous les trimestres qu'elle arrive à produire en électricité renouvelable, si elle le faisait vraiment, peut-être qu'elle se rendrait compte qu'il faut simplifier pour aller plus vite, parce que c'est quand même complexe, hein. Une ferme solaire en France, 14 permis, hein, je vous le dis, 7 ans, 10 ans une ferme éolienne, 12 ans une ferme éolienne offshore, donc autant vous dire qu'on est quand même... C'est sûr qu'on est toujours les derniers de l'Union européenne, mais on sait pourquoi, d'une part. Et il y a un deuxième sujet qui est le x2 sur l'efficacité énergétique depuis 2030. La France a dit qu'elle le faisait, mais faisons-le vraiment. Donc faisons vraiment le x3, faisons vraiment le x2, et puis réduisons aussi tout notre CO2 en appliquant ce qu'on dit, ce qu'on fait. On dit ce qu'on fait, puis après on fait ce qu'on dit. En ce moment, on dit ce qu'on fait, mais on ne fait pas ce qu'on dit. Exactement. C'est un peu en écho à ce que disait François Bayrou, je l'ai bien prononcé. François Bayrou, tout à l'heure, ce matin, disait, en gros, en substance, il disait qu'il faudrait un État stratège, qu'il y ait une vision, qu'il y ait des évaluations, que ce ne soit pas juste des vœux lancés comme ça, ou des choses intéressantes au départ, mais qui se perdent dans les méandres de choses kafkaïennes. Moi, j'ai travaillé sur la réforme de l'État comme journaliste, j'ai vu des choses absolument incroyables. C'était le monde du but, vraiment. Et alors en plus, on se compare. Enfin, quand on est une entreprise, on est comparé tout le temps aux autres. Vous allez le voir, hein, l'année semaine prochaine, on va annoncer nos résultats. Donc, je pense que vous allez vous satisfaire de nos résultats parce qu'on va gagner suffisamment pour pouvoir augmenter la part d'investissement dans les renouvelables. Je vous le dis comme ça parce que, comme vous savez, vous verrez l'écho que ça donnera. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de se dire qu'on se compare. En fait, l'école, ça ne s'arrête jamais. Et on regarde tous ceux d'un secteur et nous-mêmes, on se compare avec nos concurrents de chacun de ces secteurs. Alors avant, ça a été le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, on se compare dans ceux des renouvelables. Il y a eu un classement à la fin du mois de décembre dernier où tout le monde attendait un classement des plus grands développeurs de solaire au monde. Et Total Energy, moi j'en suis fière, hein, j'espère que vous le serez aussi. Total Energy est le numéro 1 du développement du solaire au monde. Et le deuxième derrière nous, il est deuxième, c'est un Indien, il ne fait que la moitié. Vous vous dites, bah, en fait, maintenant, on a une pression, hein. Garder notre position et regarder qui sont ceux qui sont derrière pour y arriver. On y est arrivé, on est français. Alors on est dans 130 pays et ce n'est pas forcément en France qu'on a réussi à produire le plus. Hein. On a aujourd'hui 2,5 gigawatts de projets solaires en attente de permis. C'est à peu près 2 réacteurs nucléaires bloqués. Parce qu'on va 3 fois moins vite qu'aux États-Unis, 2 fois moins vite qu'en Allemagne. Donc il y a ça aussi, c'est que suivons nos indicateurs, regardons, comparons-nous et soyons fiers de ce qu'on arrive à faire parce qu'on est conscient de nos défauts, parce qu'on est conscient de nos faiblesses et qu'on arrive à les corriger. On en a un peu parlé, il y a une forme d'autoflagellation parfois parce qu'on aurait pu le dire plus haut, hein, dans les médias grand public, je veux dire, ce classement. Oui, c'est vrai. Bon, après cette page publicitaire, Michel Dervedet, vous vouliez réagir, je vous voyais. Non, je voulais réagir simplement sur... tout à l'heure, la première table ronde, il a été évoqué un économiste. Moi, j'aimerais vous citer un économiste américain qui s'appelle Paul Josko. Et Paul Josko, quand il regarde le marché de l'énergie en France et en Europe, il dit « they are stuck in the middle ». Ils sont plantés au milieu. Plantés au milieu de quoi? Moi, c'est ma carrière, il y a 35 ans, auprès d'un grand président d'EDF qui est enterré au cimetière de Neuilly, Marcel Boiteux. Et on avait à l'époque un État fort et un opérateur public de référence, fort aussi, avec la compétence. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, on est peut-être dans un paysage un peu différent. Et donc l'autre pôle, ça peut être faire confiance au marché, aux entreprises, aux indicateurs, aux citoyens.
Et je pense que un de nos problèmes à nous Français, c'est qu'on est entre les deux. On a la nostalgie de la structure très efficace, très forte d'hier, mais on n'est pas complètement dans un fonctionnement de marché. Et donc dans cet entre-deux, on est dans la zone de tous les risques. Parce que dans les autres pays européens, les mutations ont été faites. Donc les compétiteurs de Total et de tous les énergéticiens français se retrouvent dans un autre paysage. Donc je ne suis pas adhérent de Génération Libre, mais je vais peut-être revoir François Gavier pour qu'on parle de ces sujets. Ouais, une vraie, vous allez changer vos cartes à la fin. Une vraie compétition peut amener à envoyer des bons indicateurs. Voilà. On est encore dans le rétro, dans le rétroviseur, et puis on ne met pas les pleins phares, on n'ose pas. Il y a une forme parfois d'auto, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi je le vois chez les journalistes hein, aussi, alors qu'on pourrait faire un cocorico, ce ne serait pas... Bon, c'est un autre sujet. C'est là, comment ? Ça nous changerait. Ça nous changerait, oui. Bon, j'essaierai de le faire tout à l'heure. Vous vouliez réagir aussi, Olivier ? Non, je suis totalement d'accord avec Michel sur le fait que le levier de transition environnementale, il est chez les entreprises beaucoup. Et c'est vraiment une opportunité à titre privé. J'accompagne les entreprises dans leur transition environnementale en tant qu'investisseur. Et il y a des opportunités monumentales dans la transition environnementale. Je pense que le rôle de l'État autour de ça, il est aussi de donner un cadre stable, fiable et simple et prévisible. Et ça, c'est vraiment... Mais il y a vraiment beaucoup plus de besoins dans les entreprises de ça que d'avoir des subventions, des mécanismes, des machins, des trucs inventés par des... Ce que vous disiez. Ça, c'est absolument essentiel. Je suis complètement d'accord avec Isabelle Pasquier là-dessus. C'est vraiment avoir une stabilité et une logique de simplification administrative. Il y a eu un exemple récent sur la loi sur l'agrivoltaïsme et sur le fait qu'on s'est aperçu finalement que en fait on pouvait mettre des panneaux photovoltaïques sur des champs, effectivement, et ça permettait d'être à la fois bénéficiaire pour les particules et pour la production. Et c'est passé au Parlement, mais il y a eu une complexification et un alourdissement des procédures et de la loi et des contraintes autour de ça. On ralentit en fait la transition environnementale à cause de contraintes réglementaires. Peut-être un point aussi sur les subventions. Moi, je ne suis pas un grand fan des subventions. Pourquoi ? Parce que assez souvent, c'est décidé d'en haut. Ça ne laisse pas forcément le choix en local. Et vous avez finalement un surcoût qui est très fort sur la transition environnementale. Aujourd'hui, le plan français de transition environnementale, il est évalué à 66 milliards pour un gain de 138 millions de tonnes. Ça coûte environ 480 euros par tonne d'investissement public pour mettre en œuvre ça. En fait, c'est assez cher. Et c'est lié au fait qu'on a choisi d'abord de dire ben on va décarboner tel secteur, tel secteur, tel secteur, et ensuite on s'est posé la question de savoir combien ça coûte. Et en fait, en fonction des leviers, ça coûte entre 10, 20 euros la tonne et jusqu'à 1000, plus de 2000 euros la tonne. Et on n'est pas parti du coup en se disant mais où est-ce que c'est le moins cher, où est-ce qu'on va mettre l'effort pour que ce soit le moins cher. Il y a d'autres endroits où c'est un peu cher. Parfois, souvent les technologies évoluent, ce qui est cher un jour n'est pas le lendemain. En 2008, on a mis en place un plan solaire au Grenelle de l'environnement. Ça coûtait extrêmement cher. On en paie encore aujourd'hui le coût sous forme d'une taxe sur la facture d'électricité. Et ça, c'est le coût de 2 ans où on a essayé de développer le solaire alors que la technologie n'était pas mûre. Aujourd'hui, on fait en quelques semaines ce qu'on a fait en 2 ans à l'époque pour un coût bien moindre, pour un coût tout à fait dérisoire. Donc, il faut aussi sentir le rythme de l'évolution des technologies. Il y a des subventions qui arrivent trop tôt parce qu'elles sont beaucoup trop chères. Aujourd'hui, subventionner un véhicule électrique, c'est 700 euros la tonne de carbone économisé. Est-ce que c'est un bon usage de l'argent public ? Point d'interrogation. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de façon très rationnelle de combien ça coûte et d'allouer les moyens sur ce que les anglo-saxons appellent les low-hanging fruit, donc les fruits les plus accessibles, c'est-à-dire les mesures les moins chères pour décarboner. Et ça, c'est effectivement fait beaucoup plus facilement via une taxe que par une subvention. Vous l'avez dit, il y a des choses qui partent d'en haut, à la française. Et vous, Isabelle Patrier, vous dites, si j'ai bien compris, si je vous suis bien, vous dites qu'il faudra d'abord savoir, ça part d'en haut, mais identifier les besoins, savoir. On ne peut pas faire tomber quelque chose d'en haut. Ça paraît peut-être évident, mais on est dans c'est bien un de marché, le rappeler. En fait, on est dans un marché. Où qu'on soit, on est dans un marché. Je rejoins ça. Les subventions, ça a des limites. C'est surtout que dans un monde où on est à des frontières proches, hein, quand vous êtes en France en plus, je vais vous donner un exemple. On vient de vendre l'année dernière toutes nos stations-service en Europe. Il ne nous reste plus que le réseau de stations-service en France, hein, puisque... à terme, l'Union européenne a décidé qu'en 2035, il n'y aurait plus de véhicules thermiques. Donc nous, on sort du réseau de stations-service. Il nous reste celle de notre pays parce qu'on est français. C'est tout. On a vendu 3,5 milliards, notamment on est sorti d'Allemagne. Ces 3 milliards, on les a réinvestis en Allemagne en répondant à un appel d'offres sur de l'éolien en mer en Allemagne.
Pourquoi en Allemagne? Parce qu'en fait, en Allemagne, vous allez beaucoup plus vite qu'en France, par exemple. Parce qu'une partie de l'électricité que vous allez produire avec votre champ éolien, elle va vous appartenir, alors qu'en France, elle appartient à l'État. Donc, est-ce qu'une entreprise privée comme Total Energy a intérêt à être une régie juste de fabrication d'un champ éolien offshore? Peut-être pas. Parce que les garanties qu'on vous demande pour faire un champ éolien offshore en Allemagne, c'est deux fois moins qu'en France. Donc vous sécurisez et vous immobilisez des fonds deux fois plus importants en France qu'en Allemagne. Donc évidemment, vous regardez. Et puis parce que vous avez un système qui va vous permettre de suivre l'inflation, de pouvoir vous adapter sur vos prix. Je regardais l'autre jour un communiqué de presse qu'on a fait. La semaine dernière, il est assez intéressant ce communiqué de presse, parce que pour la première fois dans un communiqué de presse, on explique que l'inflation aux États-Unis sera prise en compte dans le projet de 20 ans d'un champ éolien offshore, que l'IRA viendra réduire de 30% en crédit d'impôt les investissements que nous faisons pour les accompagner. Ben, en fait, c'est exactement ça. Donc en fait, la visibilité que nous avons, on l'a sur 20 ans, le montant est prêt, il est dans le contrat, tout est organisé pour nous donner cette visibilité. Encore une fois, je pense qu'il faut donner une visibilité aux gens, je pense qu'il faut raisonner économie de marché, c'est très bien que les États fixent des obligations de limitation de CO2, il faut absolument abattre ce CO2, et laissons les industriels et les entreprises faire les investissements pour atteindre ces objectifs, en les incitant à les atteindre et en les incitant à investir dans les pays dans lesquels on veut qu'elles investissent. Merci. Alors, est-ce que dans le public, de ce côté-là ou de ce côté-là, comme ça fait vraiment penser au Parlement britannique, est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Mais quand je dis questions, c'est vraiment question. Hein, parce que parfois, c'est... Ah, il faudrait peut-être qu'on éclaire davantage. Alors, à moins de faire un petit sprint... On va essayer de faire venir un micro, sauf si vous avez une... Ah voilà, monsieur arrive en courant. Je vous demande de vous présenter et de grâce, vraiment une question. On a plus beaucoup de temps. Bonjour, merci. Alban Godard, je vais faire juste deux petites remarques pour expliquer ma question. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on mélange quand même pas mal de choses, notamment sur le marché européen. Il y a quand même trois types quand on parle de marché du CO2. Il y a les quotas d'émissions, la taxe carbone et la compensation carbone. Et les prix sur ces différentes entités sont très différentes. Notamment, j'ai eu la chance de travailler avec Total, notamment, les prix qui sont annoncés ne sont pas les mêmes quand on parle de compensation carbone ou qu'on parle de la manière dont on fixe le prix du carbone en interne. Et donc je pense qu'une réflexion sur comment est-ce qu'on assure une espèce de cohérence entre ces différents prix serait fondamentale. Deuxième remarque, vous avez beaucoup parlé de, qui va amener à ma question, vous avez beaucoup parlé de la possibilité de créer un dividende carbone. Alors sachez que depuis l'année dernière, il existe, ça s'appelle le Climate Dividend, c'est une initiative qui a été lancée notamment par Mirova, des acteurs équivalents ou l'ADEME, et l'idée est justement de pouvoir montrer les effets positifs au-delà d'un bilan carbone, les effets positifs d'un projet ou d'une entreprise sur le carbone, sur le climat, comme un dividende financier. Ça amène à ma question. En fait, l'intérêt du Climate Dividend, c'est qu'il n'est pas financiarisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un prix qui est mis, ce n'est pas un dividende financier, c'est un dividende carbone qui est non financiarisé. Quand on voit que le prix de la tonne, l'année dernière, il évoluait entre 1 centime de dollar et 154 centimes de dollar, on voit bien et on se dit bien qu'un prix de 1 centime la tonne, ce n'est pas la même chose qu'un prix de 150 dollars la tonne. Vous l'avez très bien dit, on a des tonnes qui sont très différentes. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ne pas financiariser ces éléments et créer d'autres systèmes de mesures qui ne soient pas financiarisés et mesurés uniquement sur le dollar ou l'euro? Merci. Une première réponse de M. Olivo, en quelques secondes, si on peut. Alors, en quelques secondes, oui. Donc, il y a plusieurs, effectivement, plusieurs éléments dans votre question. Il y a d'abord l'élément de la convergence des différents systèmes carbone. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a besoin d'avoir une convergence. Aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes. Il y a un système qui s'appelle le système ETS, qui est un système de quotas d'émission. Et c'est ce qui aboutit, en fait, donc on régule par les volumes, ce qui aboutit à un prix variable. Et le système de taxe, c'est plutôt une régulation par les prix avec des volumes variables. Donc, effectivement, sans rentrer dans la technique, il y a besoin d'harmoniser clairement ce type de taxation, enfin, en tout cas, de mécanisme.
mécanisme de régularisation. Donc effectivement, il y a pas mal de travail sur trouver un système qui fasse converger certaines taxes carbone qui existent. En Suède, c'est 120 euros la tonne. En France, il y a une taxe carbone qui existe toujours, qui a été gelée avec les gilets jaunes, mais qui est à 45,60 euros la tonne, avec ces systèmes de quotas. Donc il y a clairement un énorme travail d'harmonisation et de synchronisation. Sur la question de la redistribution, je pense que c'est pour le coup très important que le dividende soit financiarisé. L'idée, c'est vraiment de dire, on capte une... Alors, ça dépend effectivement des mécanismes qu'on utilise, mais l'idée, c'est si vous avez une recette fiscale qui est perçue par l'État ou l'Europe, elle doit être intégralement redistribuée. Et ça, c'est la seule façon de traiter le quatrième nœud du problème que Edouard mentionnait, qui est l'impact sur le pouvoir d'achat, ou le premier, je ne sais plus. Donc, l'impact sur le pouvoir d'achat. Vous neutralisez collectivement l'impact sur le pouvoir d'achat si vous redistribuez l'intégralité des recettes. Et c'est pour moi un élément essentiel d'acceptabilité. Vous ne pouvez pas mettre en place un système de taxe carbone si vous ne redonnez pas tout. Et inversement, si vous redonnez tout, ça devient acceptable de se dire bah, finalement, l'assiette de la taxe augmente, puisque certes, je vais payer un peu plus, mais de l'autre côté, je vais aussi recevoir un peu plus. Et donc, on accentue l'écart entre ceux qui polluent beaucoup et ceux qui polluent peu. Donc ça, je pense que c'est au contraire très important que le dividende carbone, qui n'est pas la même chose que ce que vous décrivez vous comme dividende carbone, effectivement, c'est le même nom, mais ce n'est pas la même chose, que ce dividende-là, qui est finalement la redistribution des recettes de la taxe carbone, c'est très important que ce soit effectivement financiarisé. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus, on peut aller sur votre site. Alors, on n'a pas encore sorti notre rapport, mais vous pouvez attendre avec impatience notre rapport, voilà. Vous abonner à la newsletter, aller sur le site et y voir toutes les choses hyper intéressantes qu'il y a sur plein de choses. À quelle durée, dans combien de temps? Dans quelques semaines. D'accord, c'est en train de... Voilà, il y a un peu de... Voilà. Aussi des éléments sur le site de confrontation au pluriel Europe. Alors, je rappelle qu'il y a des stands dans l'espace Agora, il y a un espace librairie, il y a des stands. Si vous n'êtes pas déjà allé, je vous encourage, moi j'y suis allé, j'ai appris plein de choses, j'ai eu envie de m'inscrire un peu à tous les... Il y a tellement de diversité, de sensibilité. Voilà. Avant que vous ne partiez, Isabelle Patrier, voilà, attention, ma montre, on y est presque. Ce matin, des intervenants sont sortis en disant « J'ai franchi un palier dans ma réflexion sur ce sujet. » Et c'est le but de ces rencontres des sablons, c'est qu'on voilà, on fasse avancer le schmilblick, comme on disait autrefois. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui et qu'est-ce qui va, à la limite, vous renforcer dans votre activité de tous les jours par rapport à ce qu'on vient de dire ? Je crois que ce que je reviens sur ce qui a été dit en introduction de cette table ronde. Ce qui est intéressant, c'est de confronter des idées. Nous, on a un vécu qui est un vécu terrain d'industriel, d'entreprise, dans des économies de marché un peu partout sur la planète. Et on confronte des idées avec ceux qui voient un peu tout le monde, dont nous, mais pas que. Et je crois que ça permet de cheminer. Merci encore pour l'organisation de ces débats, parce que finalement, en amont de la préparation de cette table ronde, on a échangé pas mal d'idées. Et je pense que ça va faire son chemin, chez vous aussi d'ailleurs, qui écoutez. Oui, il y a tout le public. Parce que, évidemment, quand on dit zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société, c'est ensemble avec la société. Et ensemble avec sa société, c'est avec des gens qui ont des vécus, des expériences et des idées qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Mais en fait, c'est ensemble qu'on progresse et c'est comme ça qu'on atteindra nos objectifs et nos ambitions. Donc, un grand merci pour avoir organisé ces débats. Je pense que tous les sujets alimentent nos réflexions, alimentent la façon dont on les aborde et dont on aborde nous-mêmes des projets qui sont dans la réalité de leurs investissements, de leur financement, de combien ils coûtent et de... en combien de temps on est capable de les réaliser et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impact d'abattage de ce CO2 qu'il faut qu'on abatte tous collectivement, puisque c'était le thème de cette table ronde, décarbonée. Donc les think tanks, ce n'est pas seulement des organisations qui réfléchissent, c'est aussi de l'action quelque part, puisqu'ils poussent, ils vous poussent à agir encore plus. En fait, ils nous poussent à essayer de trouver les meilleurs moyens pour tous les axes qui pèsent sur notre environnement, sur les États, sur les réglementations, sur les taxations, sur les subventions, à trouver le bon équilibre. Tout est question d'équilibre, toujours. Merci. On termine sur, c'est le mot de la fin, l'équilibre. L'équilibre. Alors, justement, pour rester dans l'équilibre, on va continuer à vous donner des informations publiques, spectateurs, spectatrices, par le site, par différents biais, des synthèses, grâce à Maxime qui est là.
et toutes sortes d'informations sur les think tanks, le vôtre, Confrontation Europe, le vôtre, Génération Libre, et évidemment, ce que vous allez proposer bientôt. Je voulais avoir un scoop, mais je sens que je vais l'avoir peut-être après. Merci beaucoup pour vos participations. Merci. Et à vous aussi. Et à vous aussi.